met la tinibille, on déboise. Quelqu'un veut une bière pour déstresser un peu? Ouais. Pourquoi pas? La pression monte. Voilà. Non, il y a pour mettre 4, hein. Oh. On lâche plus rien, j'ai plus d'idée. Voici le tandem de choc de Big Good Corel. Jans avec Albert Le Squale. Comme je disais tout ça à l'heure, tenir, ton truc, hein, la pression monte. Il fait un putain de coup. Les chutes, ça arrive. Tiens, il fait peur sur les tracteurs. Moi je pose une journée pour changer. Il est mort. Tu poses une journée pour changer un pneu. Un vélo neuf. Regarde, Normalement, ça, c'est le vélo gagnant. Voilà, ça avec ça. Avec ça, ça va gicler. Une fois que j'aurai mis la roue, ça changera tout le vélo. Ça va gicler. Ça va gicler dans les bosses. Je pense. C'est sûr, c'est quand même pas trop tant que c'est un bilan spécial. C'est pas trop tant que ça. Dans les courses d'un jour, il y a toujours des surprises. C'est bien. C'est bien. Ah tiens là. Ah, tu l'as pas ouvert encore. Putain, c'est des vrais. Un bon champion du monde. Il boit beaucoup avant l'épreuve. C'est réservé aux soucis techniques. Déjà, il y a des soucis mécaniques pour 3 personnes déjà. Ah, c'est pas... Il y a 3 lâchés. C'est bon. Il n'en manque pas un autre. Si. La position de l'œuf. Morin a pété sa chaîne. Il y a trouvé que ça comme excuse. J'avais mis premier moi. Squall est en train de déjà traquer. Je vais reprendre ton Béclan, tu vois. Gros outil technique pour Albert Le Squale. Putain, c'est dégueulasse ta tactique. 5 j'ai les mains qui collent. 4 3 2 1 C'est parti. Dès le début, l'équipe en tiré durcit la course. L'équipe Jean Floch s'installe aux avant-postes. Les Allemands de la télécom s'associent aux Bretons. Ouais. Bon, on le verra.
Bataille pour le troisième. Ouais, faudrait peut-être voir. Bataille pour la troisième place. La couronne vacille. Si je trouvais le con qui a fait sauter le pont. L'équipe Valsar Farm Frit en plein effort. Allez, on va les avoir, on travaille en équipe. J'ai perdu mon coéquipier. Et comment il fait alors Gaëtan là? Il marche. Il marche. Je suis mort. Mais non. Il reste encore 3 petites boucles. Il y a des barres. Ouais, ça roule pas en peloton. Il y a quoi dedans alors? Des lions, la croix. C'est tout. C'est tout. Le peloton a explosé. Hein. Ouais. C'est vrai. C'est ce qu'il disait. Il est passé. Il est pas pris la musette. Ah, fou de la musette. à fou de la musette. Vous allez voir la mentalité du gars en causant un peu avec l'histoire. Ben pas beaucoup, hein, mais... Si oh merde. Et la T-Mobile mène le peloton. On déplore malheureusement un abandon du côté de la Bigoud. La Bigoud se retrouve à deux partenaires. Comment ça, il y a deux? Oh là là, il y a plus qu'un. Eric Zabel a un visage marqué. Eric de la T-Mobile a le visage marqué. Marqué par les corps. Le compteur affiche les 65 km/h dans la descente. 65 km/h dans la descente. Le coureur de Bigoud n'aime pas les suceurs de roues et demande à ses coéquipiers d'échapper et de faire un minimum de boulot devant. 4 hommes en tête, l'équipe italienne entière qui fait son effort pour combler le retard sur les échappés. Le Guénon fait son effort, il part devant, donc il n'arrive pas à creuser les gars. Il a la Bigoud qui a fait derrière. On montre le maillot là, on monte le maillot. Ça roule très vite dans la descente, très très vite dans la descente. Les visages sont fermés en plein effort. Le coéquipier de la Bigoud Korev tente une attaque qui a l'air de porter ses fruits car il dépose littéralement ses coéquipiers. Seul Tinette arrive à s'accrocher tant bien que mal et à limiter l'écart. Piantz lance un regard et se rend compte que son attaque a porté ses fruits et que l'écart est bel et bien creusé. Seul Nedelec arrive encore à suivre à distance le tempo. De la Bigoud, imposé par Pierce de la Bigoud. Pierce gagne le... Pierce premier. Le maillot du meilleur grimpeur.